Des coups de pinceau méticuleux pour redonner vie à ce vase centenaire. Dans les ateliers du musée du Sénat à Brasilia, les restaurateurs s'activent pour remettre à neuf les dizaines de sculptures, tableaux et mobiliers d'une valeur inestimable, ravagés lors de l'invasion du Congrès brésilien par des partisans radicaux de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, le 8 janvier dernier. Il est arrivé dans un état très détérioré. Maintenant, il a déjà l'air beaucoup mieux, mais il est encore très endommagé. Ses jambes et les accoudoirs sont cassés. Vous voyez les deux accoudoirs, les deux jambes et le côté du dossier. Les travaux ont également commencé dans les bâtiments de la place des Trois Pouvoirs, classée depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le ministère public fédéral, les dommages causés par les émeutiers s'élèvent à plus de 3,5 millions d'euros.